Typhon avait cruellement laissé les larmes versées par Aphrodite à son amour perdu, là où Adonis lui avait été enlevé. Oh, le pauvre beau gosse, ça va. Moi, je me suis retrouvé aux enfers avec Hadès pendant un mois, et pas un mois bissextile. L'ambiance, c'était pas la même limonade. Donc c'est là où tu étais lorsque Typhon a attaqué. Je devais goûter le nouveau millésime du vin du l'été. Tu sais comment ça se passe. Après, on oublie toujours de repartir. Là, il y a une flamme. On va se positionner quelque part, certainement. Ici, il y a quoi? Attention au diamant. Désarroi de Calliope. Moi. Alors on va aller voir ce que ça dit. Donc la troisième larme, c'est bien ça. C'est toujours un niveau 1 et on a un coffre à récupérer. Alors ça va être quoi? J'ai vu par là une lumière. Il ne parle pas. On est trop loin pour détecter le coffre. Mmh.
d'accord. Okay, oui, c'est vrai. C'est une énigme où il faut reproduire mon exemple. Les deux de gauche et les deux ici. Ça a fonctionné, c'est ça. Ça va être que des énigmes comme ça, je crois. Là. Ça va être chaud ça. Alors, je vous conseille de faire comme moi, vous prenez en photo, sauf si vous avez de la mémoire. Moi j'ai pas de mémoire, donc je vais prendre en photo. Servir après. Alors quand on voit du rouge comme ça, c'est on perd tous nos pouvoirs, on peut pas voler, on peut rien faire. Il faut surtout éviter ces zones-là. Au milieu.
va être quoi comme ordre? Je prends en photo. Les larmes de l'amour sont les plus amères. Et aucune larme n'avait été aussi douloureuse que celle jaillissant du cœur brisé de la déesse de l'amour. Ah non, je vais vomir, hein. C'est pas comme si Aphrodite s'était jamais fait larguer. Zeus, ce n'était pas une rupture. Il est mort. Je... Bon, d'accord. Phénix aurait pu jurer que les larmes versées par Aphrodite à la mort d'Adonis pesaient plus lourd une fois sorties des enfers, comme sublimées par le chagrin. Ayant récupéré les trois larmes, Phénix entreprit de racornir la racine la plus vivace d'Aphrodite et d'ouvrir sa crypte. Oui. Non, rien. Oublie.